Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo de Do It Yourself Inspiration, guérir soi-même. Et aujourd'hui, petite vidéo off the hook. Donc, c'est déjà un style de laine que l'on a utilisé dans une vidéo précédente. Qu'on peut travailler en rond. Et en fait, c'est vraiment bien parce qu'on peut travailler sans aiguille. Donc, c'est vraiment très chouette. Travaillé la dernière fois, j'ai fait une écharpe. Si vous voulez voir la vidéo, même style. On peut faire un loop, donc une écharpe snood simple. Donc là, vous voyez le numéro. Donc 132 pour la couleur. Ce sont des tons verts, hein. Vert d'eau, je dirais. Donc pour une écharpe, on a besoin de deux pelotes. Hein. Pour un enfant, une pelote peut suffire. Donc 100% polyester. 100 grammes. Donc on peut y aller. Ok, donc nous y sommes, numéro 40. On va toujours travailler donc derrière cet anneau. Et là que j'ai passé juste dedans. Et on tire la suivante. On tire au travers de la boucle. Et ainsi de suite. Et puis bien, grâce à la structure de la laine, hein, ça reste bien accroché, on n'a pas besoin de faire attention. Ça tient bien. Donc là, j'ai fait la première rangée. Donc là, c'est le premier. Donc je vais, puis après, je vais continuer. Donc on tire à nouveau. Un simplement. Donc voilà, maintenant on passe au travers. Les anciens, et puis on fait ainsi de suite, et on fait notre troisième rangée comme ceci. Donc très simple, vraiment super pour les débutants et même pour les enfants. Hein.
Après, je vous montre encore quelques rangées et après, je vous montrerai donc la fin du projet. Donc voilà, vous regardez. Donc mon écharpe est devenue bien plus gros, c'est tout doux vraiment comme matériel, comme matériau. Donc là, on fait notre finition, comme si on rabattait les mailles en fait. Et on fait ça sur toute la rangée. Donc me voilà ici. Il faut être un peu créatif pour tout coudre et tout finir. Voilà, grâce à la structure de la laine, tout tient plutôt bien. Donc voici à quoi ça ressemble au final. Donc une bonne largeur, une bonne longueur. Bien. Après, bien sûr, j'espère que ça vous a plu, que vous avez aimé les idées. Donc, aimez la vidéo si c'est le cas, laissez des avis, des suggestions, des commentaires. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait, comme ça vous ne manquerez plus aucune vidéo. Et on se dit à très vite sur Do It Yourself Inspiration, idéaliser soi-même. À très vite, salut!